Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Aujourd'hui, on fait un unboxing parce qu'en fait, on a reçu un énorme colis. Je vais découvrir ça avec vous. Ah voilà, ça rentrait pas dans la boîte aux lettres et c'est assez imposant. Danger Kaiju Inside. Ah ouais. C'est énorme. J'ai dit moi. Ah ouais. Ah d'accord, c'est pour Kaiju number 8. Ah oui, c'est la prochaine série qui va commencer chez Kazé. C'est quoi, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc à l'intérieur, en fait, c'était donc du Kaiju Inside, c'est carrément une PLV. Donc voilà la PLV. Elle est assez grande, elle doit faire un bon mètre 60. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un truc automatique, ça, je l'ai déplié. Il y a des élastiques. Voilà. Ça s'est fait tout seul. Donc voilà. Donc maintenant, il faut caser ça. Faut réussir à caser ça à l'intérieur. Alors, on continue avec la boîte à l'intérieur. Voilà, c'est encore une grosse boîte. Voilà, donc j'ai sorti la boîte, j'ai viré le gros carton, ça va être vachement plus simple. Alors, on ouvre ça. Ok. Alors, alerte, les Kaiju envahissent le monde. Donc ça, c'est le contenu carrément du kit. On va le découvrir ensemble. Alors, la petite présentation. La petite carte de présentation, l'histoire. Le partenariat avec Nissan. Le premier tome. Directement dans la collection de chez Franck. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, carrément une tenue, quoi. C'est une combinaison. Ah, c'est original. Un nerf. Ça, ça vide bien, ça. On va pouvoir tirer sur la rédac. Alors, un masque. Un masque de Kaiju. Un t-shirt. C'est un beau... C'est un super kit, ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des cibles. Donc, ça, c'est les supports. Ce sont des cibles de Kaiju. Avec le, pour jouer avec le nerf. Ça, c'est les petits supports pour les poser. Alors, c'est super sympa. C'est vraiment un super beau presse-kit. Hein. Voilà, merci à Kazé de nous avoir envoyé tout ça. Et puis, oh, c'est super beau. Voilà, on va découvrir cette nouvelle licence, cette nouvelle franchise. Donc voilà. Donc le premier tome sort normalement, si je dis pas de bêtises, en octobre, le 6 octobre. Donc voilà, vous pourrez découvrir le 6 octobre, donc Kaiju number 8, ou Kaiju number 8, comme c'est comme vous voulez. Donc c'est édité chez Kazé Manga. Kazé Shonen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, le truc habituel, activez la petite cloche, merci de nous suivre tous, et puis je vous dis à la prochaine. Geekzen, la culture 200% geek.